Pour ce pas vraiment cheminement de DMC3, alors pourquoi je dis pas vraiment cheminement? Parce que ça ne sera pas un cheminement. Les raisons sont multiples à ça. C'est chiant, pour moi comme pour vous, de regarder 10 heures de jeu où j'aurais pas des trucs à vous dire tout le long. Faut savoir qu'en Don't Must Die, les combats sont extrêmement longs. Surtout avec les techniques que j'utilise par moment, du coup ce sera vraiment chiant. Du coup, plutôt que de vous bassiner avec un cheminement qui va durer allez, 7-8 heures, où vous allez apprendre des choses, mais vous allez vous faire chier la plupart du temps, je me suis dit que j'allais plutôt vous faire un pot pourri des techniques que j'utilise. Je vais vous montrer un petit peu chaque boss, vite fait. Et les quelques techniques utiles qui vous permettront de réussir en Don't Must Die sans être un bon joueur. Je ne me prétends pas être un PGM ou quoi que ce soit de Devil May Cry. Je suis un joueur moyen, on va dire. Et j'utilise quelques petites techniques qui sont faisables par tous et qui permettront vraiment de vous faciliter la tâche. Et donc je vais vous les expliquer tout le long de cette vidéo. Je vous laisse cette mission 1 pour l'instant, juste pour faire cette intro. Il n'y a rien de spécial, vous pouvez juste voir les combos, c'est pour le plaisir. Pour ceux qui me suivent, sachez que vous aurez très prochainement un test de Malicious, car là, DMC3 c'est terminé, après ça j'en aurai terminé avec ça. Devil May Cry 2 n'est toujours pas au programme, puisqu'il me donne vraiment pas envie. Donc, prochainement Malicious, et on va donc commencer tout de suite avec des techniques sur les ennemis basiques. Voilà, donc on se retrouve sur la mission 2 et on va commencer directement avec la technique qui va vous être utile tout le long du jeu. C'est le release du Devil Trigger. Alors, si vous remarquez là, il y a mes petites boules de Devil Trigger qui deviennent rouges petit à petit. Comment je fais ça? En fait, au lieu d'appuyer sur L1 et de relâcher comme on fait pour se transformer en démon, je reste appuyé sur la touche L1. Ça a pour effet de charger petit à petit les boules de Devil Trigger. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous relâchez la touche, Dente va déclencher une explosion autour de lui. Et plus vous aurez de boules rouges, et plus cette explosion fera de dégâts. Alors en contrepartie, ça vous vide toute votre jauge, sauf les 3 barres de départ qui ne peuvent pas être chargées. Et vous pouvez pas vous transformer vu que vous faites ça tout le temps. Pourquoi faire ça plutôt que de se transformer, vous me direz? En fait, quand vous vous transformez, quels sont les avantages? Vous faites plus mal. Et vous résistez mieux aux dégâts. Mais en Don't Must Die, il faut savoir que les ennemis, quand ils se transforment, quand vous les tapez, c'est comme si vous tapiez un mur. Ils continuent leurs actions tranquilles, comme si de rien n'était. Et ça, même quand vous vous transformez. Du coup, la transformation est très dangereuse, puisque quoi qu'il arrive, vous serez au corps à corps et vous allez sûrement prendre des coups. Et en Don't Must Die, prendre un coup, c'est extrêmement de barres de vie qui sautent. Donc au lieu de ça, eh bien moi je préconise ça, à savoir vous chargez votre jauge petit à petit en faisant des combos, en vous battant et en faisant des provocations le plus souvent possible, puisque la provocation aura pour effet de recharger votre Devil Trigger. Et dès que vous avez tout chargé, vous relâchez et là comme vous voyez, comme vous avez pu le voir, ça fait vraiment extrêmement mal et c'est capable de tuer les ennemis de base en un seul coup, même lorsqu'ils sont transformés. Contre les boss, c'est pas la peine de vous emmerder, ça leur fera pas beaucoup de dégâts et là ce sera mieux de se transformer. Mais contre tout ce qui est ennemi basique, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est très très puissant et très pratique. Et ça permet vraiment d'être safe. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous vous mettez en trickster et vous ne faites que vous échapper tout le temps et faire des provocations et faire votre release. Et vous faites que ça, c'est un petit peu noob, mais voilà, c'est accessible à tous et ça vous aidera beaucoup si vous n'êtes pas trop à l'aise. De toute manière, sachez que pour faire des S par exemple, les gros joueurs utilisent cette technique là. Bon, on commence doucement avec ce premier mini-boss, c'est la faucheuse. Donc sur la faucheuse, la technique que je préconise, le release comme vous voyez aussi, ça fait pas mal de dégâts sur elle. Bien repérer ses timings. Quand elle se téléporte, il y a deux types. Soit elle apparaît en face de vous, soit elle sort du sol. Le problème, c'est quand elle apparaît en face de vous, elle va apparaître quasiment instantanément. Par contre, quand elle sort du sol, il y a un petit temps de latence. Ce qui fait que si vous faites votre roulade trop tôt, vous êtes baisé. Là, pour le coup, ça peut valoir le coup de garder votre Devil Trigger pour vous transformer au moment où elle apparaît et donc prendre moins de dégâts.
et pour lui faire le maximum de dégâts possible. Si vous y arrivez, si vous maîtrisez, je vous conseille vraiment le jump cancelling de Beowulf, qui est très puissant sur cet ennemi là. Alors j'ai pas parlé des armes, mais les armes que j'utilise essentiellement c'est Rébellion et Beowulf. Rébellion pour sa mobilité et Beowulf pour sa puissance et pour le jump cancelling et aussi pour le réel impact. Et en arme à feu j'utilise Ebony Ivory et ensuite soit Kalina Ahn parce que c'est une bonne arme qui fait beaucoup de dégâts mais qui a pas une grosse portée par contre, ou le Spiral qui a une grosse portée, qui fait des bons dégâts, qui traverse les ennemis. Moi je préconise beaucoup le Spiral en fait, je l'utilisais pas beaucoup au début mais vers la fin je l'ai utilisé tout le temps. C'est une arme en fait beaucoup plus puissante qu'elle n'y paraît. Et en style, je me mets en Swordmaster parce que je suis plus à l'aise comme ça, mais n'hésitez pas à vous mettre en Trickster ou en Royal Guard si vous maîtrisez. Gunslinger non, Quicksilver ça peut être utile mais ça va vider votre jauge assez vite, et Doppelganger je pense pas que ce soit vraiment très utile. On arrive sur Cerberus. Alors sur Cerberus, je vais vous donner une bonne technique de noob. Donc vous vous mettez en Swordmaster, vous prenez Rébellion par exemple et Cerberus. C'est Cerberus, il n'y a que ça qui compte. Et vous prenez Ebony Ivory et Spiral. Et donc la technique va consister à vous cacher sur le côté. Il y a une petite zone sur la gauche de la zone de combat où Cerberus ne peut pas vous atteindre. Que ce soit son rush, ses coups de patte, où la plupart de ses attaques n'atteignent pas. Il n'y a que deux attaques qui vous atteindront, celle où il souffle de la glace sur le sol, très facile à esquiver, il suffit de sauter, et celle où il fait tomber de la glace du haut du plafond. Cette attaque est très difficile à esquiver, et c'est là que Cerberus et Swordmaster vont vous servir. Quand vous faites le coup de Swordmaster arrière et coup de style avec Cerberus, Dente se cache dans un rond de glace qui le rend invulnérable. Et donc quand il fait cette attaque de la glace qui tombe, vous avez juste à faire cette attaque et vous serez invulnérable. Et vous faites que ça. Et ensuite, vous tirez sur la tête qui est le plus loin de vous avec Spirale, ce qui aura pour effet de traverser la tête. En switchant Ebony Ivory et Spirale, vous pouvez couper une partie du recovery et donc tirer beaucoup plus vite. Bon, il y a un petit coup à prendre. Et donc vous restez sur le côté, vous faites ça tout le long et vous verrez, c'est totalement safe. Très facile et accessible à tous. Si vous voulez vous débarrasser de la tête qui fait tomber de la glace, c'est celle qui a les yeux verts. Voilà, parce que sachez que chaque tête a son propre type d'attaque. La deuxième technique qui va vous servir contre les ennemis basiques de ce jeu, c'est la caméra. Il faut savoir que dans Devil May Cry 3 et dans le 4 et dans beaucoup de beat'em all aujourd'hui d'ailleurs, ils ont mis une espèce de sécurité pour le joueur qui consiste à dire quand un ennemi n'est pas dans votre champ de vision, il ne peut pas vous attaquer. C'est-à-dire que pour qu'un ennemi commence une attaque, il faut que vous le voyez, il faut que quelque part il apparaisse sur l'écran. À partir du moment où il apparaît sur l'écran, il peut lancer une attaque. Une fois que cette attaque sera terminée, tant qu'il ne réapparaîtra pas sur votre écran, il ne réattaquera pas. Et donc on va abuser de ça dans certaines zones où les caméras sont pointées vers le mur. En l'occurrence, je vous montre cette zone-là qui est très typique. Vous vous mettez dans le couloir et la caméra est pointée sur Dente et ne voit pas les ennemis. Les ennemis du coup ne vous attaquent pas, mais vous pouvez les attaquer. Donc l'idée consiste à rester caché, à tirer au flingue et à balancer Rébellion. Vous faites ça tout le long, vous êtes totalement safe, vous prendrez aucune attaque. Sinon, contre les archers, il y a une bonne technique qui consiste à utiliser Nevan, mais moi je suis pas très à l'aise avec cette arme, donc j'ai préféré pas la faire. C'est une technique longue, parce que du coup vous restez caché et c'est un petit peu long, les combats vont prendre une éternité parce que vous y allez avec Ebony, Ivory et Spiral. Là justement je fais que Ebony, Ivory parce que j'avais pas pris Spiral. C'est aussi pour ça qu'il faut prendre Spiral, parce que c'est l'arme qui a une portée maximum, vous pouvez tirer de très loin et elle fera des gros dégâts. Alors on arrive sur ce premier boss. Deuxième pardon, il y a Cerberus. Alors sur celui-là, ne regardez pas ce que je fais puisque c'est pas très malin. Moi j'y suis allé un petit peu à la bourrin, ce qui est pas optimal. Si vous voulez des bonnes techniques sur les boss et même sur les missions en général, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Phantom Babies. Donc le compte YouTube Phantom Babies, en fait c'est un forum anglais hein, de Devil May Cry que je connaissais depuis un moment déjà. Et ils ont fait en fait des très bonnes vidéos de Devil May Cry 3. Vous cherchez Devil May Cry 3 SSDMD
Donc ils font toutes les missions double S, donc c'est-à-dire avoir S partout, en Don't Must Die, et ils utilisent des très bonnes techniques qui pourront vous être utiles. Sur ce boss-là en l'occurrence, elle consiste à se mettre sur une petite plateforme près de l'entrée, sur la courbure extérieure. Donc vous avez une petite plateforme là sur la droite, et sur cette plateforme vous allez dessus, il faut que vous soyez Royal Guard niveau 3, et que vous preniez Ebony, Ivory et Spiral encore. Et donc vous faites que tirer avec Ebony, Ivory et Spiral. Et quand l'ennemi vous envoie des boules, vous faites la dernière technique de Royal Guard, qui consiste à mettre une espèce de bouclier jaune devant vous. Ça va complètement bloquer ses attaques et vous serez totalement safe. Et vous faites ça tout le long du combat et vous serez tranquille. On enchaîne encore avec des boss Agni et Rudra. Donc Agni et Rudra, boss pas complètement difficile. Moi je conseille de les faire en Royal Guard. Ils sont honnêtement faciles à faire en Royal Guard. Je suis pas un expert ou quoi que ce soit. Je vais vous donner une simple technique pour y arriver dans ce style. Pour arriver à vous battre en Royal Guard, il y a une technique toute simple qui consiste à sauter avant de prendre une attaque. Quand vous voyez que l'ennemi va attaquer, au lieu de faire la touche de Royal Guard, vous faire un Just Guard. L'idée évidemment en Royal Guard est de faire toujours des Just Guard ou Royal Guard, du coup je sais pas comment ils appellent ça, de garder juste au moment de l'attaque. Sinon ça va, sur les boss ça va briser votre garde, donc ça sert à rien. Sauf que il faut avoir un timing très précis. Néanmoins vous pouvez élargir ce timing si vous sautez juste avant d'appuyer sur la touche de garde. Pourquoi ? Dans Devil May Cry, quand vous sautez, les premières frames du saut vous rendent invulnérable. Du coup, ça va élargir votre temps pendant lequel vous êtes safe. Puisque si jamais il s'avère que vous êtes un petit peu en retard, c'est pas grave parce que votre saut va vous rendre invulnérable. Et donc votre garde va passer dans le vide, peu importe, mais vous n'aurez pas pris de coup. Et donc ça vous permet de bloquer beaucoup plus facilement Royal Guard. Et honnêtement, ces boss là sont très lents et ils ont des attaques très faciles à voir venir. Donc Royal Guard très pratique, c'est mieux au niveau 3. Vous faites des Royal Guard comme ça, un petit saut, vous bloquez le coup d'épée comme je fais. Et quand votre jauge est au maximum, vous faites la même chose sauf que vous faites un release. Et là ça va leur faire très mal. Si vous vous démerdez bien en plus, si vous vous mettez bien entre les deux et que vous les attaquez en même temps, ils vont s'attaquer au même moment, et s'ils se tapent l'un l'autre en même temps, ça va les faire chanceler tous les deux, les épées vont sauter, et là vous pouvez les enchaîner méchamment. Moi je conseille donc Beowulf, qui fait très très mal. Et évidemment, les releases, c'est assez pratique contre eux aussi. Mais vous pouvez garder votre jauge pour vous transformer quand ils sont en train de rien faire, ou faire plus de dégâts. Un petit passage rapide sur ces ennemis là, simplement pour vous dire, quand il y a ces ennemis là, tuez-les en premier. Et là pour le coup, le jump cancelling de Beowulf vous sera très très utile, et gardez votre release pour eux. Voilà, c'est juste pour vous donner ce conseil là. Bon, ce boss là, j'ai pas grand chose à en dire. Il est pas plus rapide qu'en Don't Must Die, il faut juste que vous fassiez gaffe aux petits ennemis. Et je vous conseille de taper le cœur qui est à droite, puisque c'est lui qui vous absorbe votre Devil Trigger. A part ça, rien de spécial. Le cœur, vous lui mettez un bon Real Impact, vous lancez Rébellion, puis Real Impact, et ça va bien le calmer. Nevan, pas grand chose à dire non plus. En Don't Must Die, elle est pas plus dure que dans les autres difficultés. Ses patterns ne changent pas. Elle est pas plus rapide. Elle fait juste plus mal. Mais honnêtement, c'est un boss qui, quand vous le connaîtrez un tout petit peu, c'est très facile de le faire en no damage. Ses attaques sont assez prévisibles. Elle fait des petits cris bien particuliers. Je vais pas vous montrer tout le combat. Mais voilà, elle a des attaques qui sont assez simples à esquiver dans l'ensemble. Je pense pas que vous aurez de grosses difficultés contre elle. Les araignées sont des ennemis très forts et vous aurez sûrement du mal à les tuer. Moi je conseille de leur balancer Rébellion pour les planter, et puis d'essayer de taper avec Beowulf par exemple, et le release toujours. Là pour le coup c'est bien d'être en trickster et puis d'essayer de vous échapper le plus souvent possible,
J'avoue que c'est un ennemi où j'ai un peu de mal. Beowulf est un boss plutôt simple là encore, si on veut. Il fait de gros dégâts. Néanmoins, vous allez le voir, je vais vous mettre quelques images. Il est très sensible à Beowulf, ce qui est paradoxal si on veut. L'idée c'est d'esquiver son combo de 3 coups et de vite redescendre pour lui mettre un réel impact. Si vous arrivez à lui mettre un réel impact de face et que vous faites l'extension, c'est-à-dire que vous continuez d'appuyer sur la touche de style, DNT tourne sur lui-même et fait des coups de pied. Et en fait, vous serez juste à la hauteur de sa tête et ça va lui faire des dégâts monstrueusement élevés. Et en fait, en faisant ça, le combat est très simple. Et quand il vous envoie des pylônes, avec Rébellion, vous envoyez l'épée dessus, ça va lui renvoyer dans la tête, ça lui fera des dégâts, ça va libérer des petites orbes vertes, et vous, vous êtes safe. Il y a un tout petit timing à choper, c'est franchement pas compliqué. Doppelganger, bon, il change pas des autres difficultés, à part que les lumières sont un petit peu plus longues à casser. Mais la technique change pas, à savoir vous restez dans la lumière, vous attendez qu'il fasse une espèce d'attaque à la con, vous allez vite vers une lumière avec Trickster, vous commencez à la casser, vous esquivez son attaque, il repart, vous refaites la même chose et vous cassez la lumière devant lui et vous lui mettez un petit combo. En fait, il y a deux façons de voir, soit le casser lumière par lumière comme ça et lui mettre des petits combos parce que du coup il se régénère assez vite, soit casser toutes les lumières pour pouvoir lui mettre un plus gros combo. Moi je vous conseille de faire juste lumière par lumière puisque c'est très long de casser toutes les lumières encore plus en Dauntless Die et le temps gagné pour lui mettre des combos est pas franchement extraordinaire. Vous pourrez peut-être lui mettre un réel impact en effet, mais à part ça c'est pas grand chose. Donc moi je préconise de faire comme ça. Alors je sais qu'on, je vous ai pas encore montré de combat contre Virgil, je vous montrerai que le dernier. Et il y a aussi un autre passage que, dont j'ai pas la vidéo là, je l'ai pas sous la main et je sais pas où elle est. Il y a un passage que je voulais vous montrer, je peux pas vous le montrer malheureusement, mais vous irez sur Phantom Babies, c'est pas gênant. Ça doit être la mission 16 ou 17, je me rappelle plus très bien. C'est dans l'espèce de petite cathédrale, de petite chapelle, où vous vous battez contre des anges, enfin les espèces de monstres qui ont une aile qui les cache. Alors ces monstres là, c'est très compliqué de les battre. L'idée c'est de vous mettre en trickster, de prendre Spiral, Ebony Ivory, et de jouer avec les releases. En fait, l'idée c'est... L'objectif ça va être qu'ils vous attaquent tous les deux en même temps. Ils font une espèce d'attaque où ils se lancent en avant avec l'épée devant eux. Et quand ils font cette attaque, ils sont grand ouverts et là vous pouvez leur faire des dégâts. L'idée c'est que les deux fassent cette attaque en même temps. Et à ce moment là, vous esquivez avec Trickster et vous faites votre release. Parce que si vous faites le release quand ils sont protégés, le release vous le mettez dans le vent, ça leur fera 0 dégâts. Donc il faut qu'ils soient bien ouverts. Le combat sera très long, très difficile, mais j'ai que ça comme technique. Et donc le reste du temps, Trickster, vous évadez. Quelques coups de spirale, provocation, Trickster jusqu'à l'autre bout de la salle, provocation, coup de spirale, provocation, Trickster jusqu'à l'autre bout de la salle, et quand ils font l'attaque, release. Et vous faites que ça tout le long, c'est un petit peu long, mais vous y arriverez comme ça. Et essayez surtout de bien descendre les deux premiers en même temps, parce que si jamais il y en a un des deux qui meurt, le deuxième va se transformer en démon, et là quand il se transforme, ça devient très compliqué. Contre ces ennemis, l'arme idéale c'est Agni Rudra, puisque le coup en sautant d'Agni Rudra c'est un coup direct et unique, et c'est très très pratique contre ces ennemis là, dès qu'ils ont leur aile qui n'est plus là ou qui est ouverte, vous leur mettez un coup comme ça avec Agni Rudra, ça fait très très mal, et quand il en reste qu'un seul par exemple, c'est la technique qu'il faut utiliser, vous vous emmerdez pas à attendre le release, vous y allez avec Agni Rudra, Trickster pour aller vite sur lui. En gros, l'idée c'est de le forcer à faire son attaque où il lance l'épée, Trickster sur lui, et là vous enchaînez les coups avec Agni Rudra, et ça ira assez vite, vous verrez, c'est une attaque très puissante qui les vide assez rapidement. Faut que vous sachiez en fait que les ennemis se transforment selon deux conditions, par le temps écoulé ou par leur vie.
totale. C'est-à-dire qu'il y a certains groupes d'ennemis où ils vont se transformer quand 3 ennemis sur 5 seront morts. Du coup, si vous tuez les 5 en même temps, ils se transformeront pas. Et on aura de nouveau le cas un petit peu plus loin, on va le voir. L'échiquier, alors l'échiquier c'est assez compliqué. Je vous conseille pas de tuer pièce par pièce, ça va prendre une éternité. Il y a une technique assez simple qui simple. Un euphémisme, parce que c'est malgré tout pas si simple. Il faut vous mettre en Royal Guard, alors il vous faut absolument le Royal Guard niveau 3 là, hein, sinon ça va pas être faisable. Et de provoquer la reine pour charger votre jauge. Alors la reine c'est simple, quand vous lui tirez dessus, elle vous attaque. Elle va vous charger. Et là vous faites la technique que je vous ai expliqué plus tôt, vous sautez et vous faites Royal Guard. Il y a un petit timing à choper, c'est dangereux, elle fait extrêmement mal, donc faites bien gaffe. Mais en 3 Royal Guard, votre jauge de Royal Guard sera chargée au maximum. Une fois qu'elle est chargée au maximum, vous attendez que le roi se libère. Vous allez sur lui, vous vous transformez et vous lui faites un Royal Release. Comme ça, sans avoir à bloquer un coup, quoi que ce soit, juste comme ça. Et en 3-4 Royal Release comme ça, il sera mort. Et une fois que le roi est mort, toutes les autres pièces disparaissent. C'est pas évident, il vous faudra quelques essais parce que la reine fait mal. Mais c'est honnêtement la meilleure technique. Bon, le reste de la mission 18, c'est Cerberus, Beowulf et Agni Hérudra pour aller le plus vite possible. J'ai déjà expliqué comment les battre, c'est pas extrêmement difficile. Ensuite pour la mission 19, au début donc vous avez ces espèces de monstres sanglants. Sur la première salle, essayez de tuer les premiers en même temps. Donc vous faites descendre la vie des... je crois qu'ils sont 3 au début. Vous faites descendre la vie de chacun d'eux, avec au moins un réel impact chacun par exemple. Il faut qu'ils soient à peu près à un tiers de leur vie. Et une fois que c'est fait, vous attendez d'être au milieu d'eux et vous faites un release. Ils vont tous mourir d'un coup et comme ça ils vont pas se transformer. Et sur le sablier, et bah c'est à peu près la même règle qui s'applique. Et vous allez sûrement amèrement découvrir qu'il y a un truc avec ce sablier. Moi je le savais pas, je l'ai découvert là en Dante Must Die. C'est que si vous êtes trop long à vous battre, le sablier derrière s'écoule. Et quand il arrive au bout, tout repart en arrière et vous êtes obligé de refaire le combat depuis le début. Mais vous récupérez pas votre vie évidemment. Donc il faut les tuer rapidement. Vous pouvez pas perdre du temps, donc il faut vraiment bien gérer, faire derrière l'impact dès que possible et le release dès qu'il faut quoi. Ça va vous prendre quelques essais, je sais que c'est difficile, j'ai pas beaucoup plus de conseils à vous donner, à part vous dire d'aller voir Phantom Babies qui le font beaucoup mieux que moi. Arkham par contre, là c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. L'idée c'est de pas le provoquer en fait, parce qu'il est vraiment très très dangereux au corps à corps. En phase 1, enfin, oui non, ce sera en phase 2. En phase 1, vous allez sur lui et vous lui mettez des petits combos classiques. Et vous restez bien collé et au sol. Et quand il met les coups de bras au sol, vous sautez. C'est assez facile à esquiver, jusque là, pas de problème. Quand il devient rouge et qu'il commence à s'énerver, vous vous barrez. Comme ça, il ne va pas lancer ces espèces de verres à la con là qui font hyper mal. Et dès qu'il s'est calmé, donc c'est genre une ou deux secondes, hein, c'est pas très long, vous revenez et puis vous réenchaînez. Ça jusqu'à ce qu'il descende dans le sol. Et une fois qu'il est dans le sol, là j'ai pas dit mais il faut Ebonivori Kalina Anne. Et donc vous prenez Kalina Anne et ce que vous faites c'est vous sautez, faites double saut, vous tirez. Double saut, vous tirez, double saut, vous tirez, double saut en vous éloignant évidemment. Double saut, vous tirez, double saut, vous tirez. Et en fait les espèces de sangsues, elles vont mourir comme ça. Et elles vous toucheront quasiment jamais. Et en plus, elles meurent assez vite du coup, comme ça. Et vous faites ça jusqu'à la fin de la phase 1. Donc c'est pas très compliqué. Moi, je conseille Agni Hérudra et Beowulf contre lui. Et donc phase 2, Virgil arrive, vous pouvez plus vous transformer, donc avant que la phase 2 n'arrive, essayez d'utiliser tout votre Devil Trigger pour récupérer de la vie. Et donc phase 2, là cette fois-ci, il faut surtout pas aller au corps à corps, parce que là il va s'énerver tout le temps et balancer des espèces de fils rouges qui font extrêmement mal. Donc là il faut rester au loin avec Ebony Ivory et Kalina Anne et lui tirer dessus et ne faire que ça. Vous laissez Virgil au corps à corps, vous vous en foutez de lui.
vous restez loin parce qu'il faut pas que vous vous fassiez attraper et il faut pas que vous preniez des coups. Si vous êtes loin, vous pouvez esquiver très facilement les tirs rouges et vous ferez pas attraper. Donc il y aura aucun souci. Le combat sera un petit peu long, mais vous verrez, en fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Moi, j'y suis arrivé du premier coup comme ça. Et enfin, Virgil. Alors, Virgil, moi, le combat est laborieux. J'ai utilisé beaucoup d'étoiles vertes. Mais j'utilise la même technique que Phantom Babies. Une fois de plus, je vous conseille d'aller voir leur vidéo à eux. Parce que là, je vous montre pas énormément de choses. Qu'est-ce qu'on utilise? Kalina Ann, Ebony Ivory, Rebellion et Beowulf. Et le style Quicksilver. Ça peut paraître étonnant. L'idée, c'est... le jump cancelling avec Beowulf si vous le maîtrisez, ça lui fait très mal. Sinon des combos normaux avec Beowulf lui font mal aussi. Hein. Et quand il... par exemple quand il se transforme et qu'il fait des épées, quand vous voyez qu'il se met dans sa bulle pour faire des épées, vous faites Quicksilver et vous allez tout près de lui tirer avec Kalina Ann plein de fois. Vous faites Kalina Ann et Bonnie Ivory, Kalina Ann pour raccourcir un petit peu le recovery time. Le temps, parce que normalement quand vous tirez un missile, Dente met un petit peu de temps avant de retirer. Donc au lieu de perdre du temps à attendre qu'il se replace, vous switchez avec Ebony Ivory et ça va cut un petit peu ce temps et vous pourrez retirer plus vite. Donc vous faites ça. Et en fait en faisant ça, vous allez casser les épées. Et du coup vous serez beaucoup plus safe. Et donc voilà, il faut essayer de le taper le plus souvent possible pour qu'il ne se régénère pas. Soyez agressif le plus possible. Et il y a un petit timing à comprendre aussi, qui consiste à la fin d'un combo à vous arrêter, à lui tirer dessus avec Kalina Ann. Là ensuite il va essayer de bloquer, vous faites un coup en arrière avec Beowulf, et vous refaites ça, et vous pouvez faire ça plusieurs fois, et en fait lui il va bloquer dans le vide à chaque fois. Bon, c'est un combat très difficile, certains vous diront d'utiliser Royal Guard, pour ça il faut que vous appreniez ses attaques, ça prend un petit peu de temps, moi j'ai eu la flemme, j'ai pas eu envie. Ça m'a pris une petite heure de faire comme ça, je me suis pas fait chier à apprendre. Une fois de plus, c'est selon vos goûts, est-ce que vous voulez faire ça proprement ou pas. Et quand il fait ses boules violettes au loin, double saut et descendre du pied avec Beowulf, ça va l'interrompre. Et donc ça conclut. Il manquait peut-être certains passages, mais dans l'ensemble, je vous ai donné vraiment les astuces que moi j'ai utilisées. Je peux pas vous en donner beaucoup plus, je pense pas que ce soit utile de vous montrer mes 8 heures ou 10 heures de jeu, puisque d'une part c'est pas exceptionnel, j'ai utilisé des objets plusieurs fois, et puis c'est chiant quoi, les combats sont extrêmement longs, c'est pas intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura suffi, si vous avez quelques questions n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai. Et on se retrouve très prochainement pour le test de Malicious. Allez salut et amusez-vous bien.